Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coloriage. Eh oui, bon, c'est quand Didith que tu vas faire du DP sur ta chaîne? On ne voit plus de diamond painting. Je fais les questions que vous vous posez en ce moment. Cette semaine, promis, je ferai une vidéo diamond painting, peut-être deux si vous êtes sage. coloriage, donc aujourd'hui je continue mon coloriage de Molly Harrison. Alors il me reste plus que les fleurs à faire qui sont sur le fond. J'ai terminé le personnage aujourd'hui, voilà. Donc j'ai continué avec mes crayons Brut Funner. Je crois que j'ai réussi à le dire aujourd'hui. Voilà, donc j'ai continué avec ces crayons-là. Donc il me restait à lui faire. Alors il y avait des fleurs qui étaient sur elle à faire, les cheveux. Alors je lui ai fait des cheveux couleur un peu roux. Je vous mettrai tous les combos de couleurs que j'ai fait en barre d'infos comme d'habitude. Et il restait la jupe aussi à lui faire. Donc tout ça c'est fait. Mais petit poisson rouge que je suis. J'avais fait la dernière fois, mis les petits post-it pour les couleurs. Ça allait très bien. Certaines d'entre vous m'ont dit que c'était bien. Je commence à faire mon coloriage. Je colorie, je fais les fleurs, je fais la jupe. Et juste avant d'arriver aux cheveux, je suis mince. J'ai oublié de mettre les post-it avec les numéros des crayons de couleur. Petit poisson rouge, oui. Bon, donc, mais après, quand j'ai fait les cheveux, j'ai mis les post-it. Donc, vous avez une première partie de la vidéo sans les post-it, mais du coup, je vous ai incrusté dans la vidéo les numéros des crayons de couleur que j'ai utilisés. Et la deuxième partie de la vidéo, là, vous avez les post-it. Que voulez-vous? Promis, la troisième et dernière vidéo pour ce coloriage, il y aura tous les post-it. Là là, je vous jure, hein, une mémoire, mais alors, d'éléphant, non. J'ai pas une mémoire d'éléphant, de poisson rouge, de souris, de. Mais bon, c'est rien. C'est corrigé. sinon, rien de neuf, comme d'hab. Donc là, il me restera une vidéo à faire. Donc avec les fleurs. Bon, je pense que ça devrait aller vite là. J'aurais pu le faire là, mais la vidéo aurait été un peu longue. Donc c'est pour ça que j'ai préféré couper après les cheveux. Pas couper les cheveux, hein. Couper la vidéo après les cheveux. Parce que je suis en train de manger un de mes cheveux, moi. Parce que ouais, la vidéo aurait été trop longue. Donc voilà. Donc vous aurez les cheveux après. Voilà. J'ai reçu aujourd'hui, alors j'avais commandé un carnet un cahier de nuancier pour mettre tout ce qui est mes crayons, mes feutres et tout dans le nuancier. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Et dans cette vidéo-là, je vous parlerai de quelque chose que j'ai remarqué tout à l'heure. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Avec les aquamarqueurs, j'ai remarqué une chose. Les aquamarqueurs d'action ne sont pas tous pareils. Non, 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 non. Ils ne sont pas tous pareils.
Donc, je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Et du coup, en faisant le nuancier, je dis mince, il y a un problème. Enfin, ce n'est pas un gros problème, hein, c'est que voilà. Du coup, on pense qu'on a des doublons, mais non, on a, du coup, ça ne fait pas des doublons. Mais, et puis, il y a autre chose dessus. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, donc sur que je ferai sur le cahier du nuancier. Après, donc j'ai terminé aussi, vous avez vu, le coloriage mystère. Donc j'en ferai un peut-être dans le week-end prochain, je verrai. Et je vous ai mis dans la communauté, ça y est, j'ai eu aujourd'hui, alors on est samedi, normalement j'aurais dû l'avoir dimanche, mais bon, j'ai vu mon fils et ma belle-fille aujourd'hui, donc j'ai eu mon cadeau de fête des mamans. Donc je vous ai mis la photo dans la communauté. Vous allez rigoler. j'ai rigolé quand je l'ai eu, quand ma belle-fille me l'a donné. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas se tromper en m'achetant ça. Donc bon, j'ai rigolé et puis c'était, j'aime bien, donc il n'y a pas de souci. Donc vous verrez dans la communauté, vous irez voir le message. Alors j'ai mangé, c'est de ma faute, juste avant de faire la vidéo. Un rocher, vous savez les rochers Suchard là, et c'est plein de noisettes. Mais alors maintenant j'ai les noisettes qui me coincent dans la gorge. Du coup j'ai du mal. Bon, voilà. Donc là il me restera une vidéo à faire sur ce coloriage et on l'aura fini. Ensuite je verrai ce que je vais faire. Bon, je ferai une vidéo diamond painting hein, parce que sinon je vais me je vais me faire assassiner. Non, je pense aux copines qui aiment le diamond painting et qui, bon, le coloriage les intéresse pas trop. Je comprends, c'est normal. Vous inquiétez pas, j'ai pas changé, hein, je fais toujours du diamond painting. Bon, c'est vrai que je fais beaucoup de coloriage en ce moment, mais bon, je fais toujours mon DP aussi. Mon DP anglais, sur laquelle la dernière fois sur la vidéo, je vous disais, ça va aller vite, il me reste 20 cm de hauteur à faire. Mais non, je me suis trompée, il reste 30 cm de hauteur à faire. Voilà, 30 sur 60. Donc, j'ai encore un petit peu de boulot dessus. Ah oui, c'est hier, avant-hier, je l'ai sorti. Non, c'est hier. Hier, je sors mon DP, je mets tout sur la table, tout, je commence, je regarde. Reste beaucoup hein, quand même. Je regarde. Ah bah oui, je me suis trompée. 30 cm. Et j'en ai fait quoi? 20 minutes. J'avais mal au dos déjà. Et puis, en fin de compte, j'avais pas envie de le faire. Je crois que ça m'a déboussé de voir qu'il me restait 30 cm au lieu de 20. Donc j'ai dit, oh non. J'ai tout remballé et j'en ferai demain. Voilà. Le dimanche, j'aime bien faire du diamond painting. Donc, je sortirai demain et je ferai demain. Mais alors, hier, oui, 20 minutes, hein, je fais, oh, allez, je remballe. Hop. Bon, ça arrive, hein, que voulez-vous? Bon, allez, je vais vous laisser visionner la petite vidéo parce que ça y est, on arrive à mes 10 minutes de blabla que je mets toujours au début de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous fais plein de gros poutou poutou. Je vous souhaite un bon week-end. Si c'est encore le week-end, là que vous êtes en train de regarder la vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage. Bisous, bisous. Ça y est, on est à 10 minutes. Au revoir.
Thank you.